Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un projet que j'ai pour vous pour 2017. Donc, du coup, c'est très simple. Je pense que vous avez déjà entendu parler des swaps qui se font entre blogueuses pour Noël. Donc, l'idée que j'ai eue, elle est vraiment toute simple, c'est d'étendre cette idée de swap, mais à tout le monde. Du coup, j'ai créé un groupe sur Facebook. Je vous mettrai le lien donc en barre d'infos ici. Donc vous pouvez tous me rejoindre, voilà, sur ce groupe-là. Le but, dans un premier temps, ça sera de trouver son copain de swap, sa copine de swap. Donc je vais créer un hashtag sur Twitter où vous pourrez discuter, faire passer vos petites annonces de la personne que vous recherchez. Enfin, je sais pas, essayez de prendre quelqu'un qui est un petit peu pareil que vous. Donc si vous aimez les produits bio, prenez quelqu'un qui aime aussi les produits bio. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses vraiment à faire. Et donc après le but c'est que par mois je vous ai préparé des thèmes, donc un thème beauté, un thème lifestyle. Donc les thèmes sont déjà décidés. J'ai vu ça avec ma copilote qui est ma sœur, ma petite sœur. Pour aider les personnes qui n'ont pas d'idée, donc il y aura tous les mois donc sur le blog entre le 5 et le 10 du mois la sélection de mes produits préférés pour ce thème-là. Et donc le but aussi, si on est beaucoup sur le groupe, c'est de pouvoir avoir des petits codes promo, de pouvoir partager, on va dire, avec vous des petits codes promo pour avoir des frais de port gratuits ou avoir une petite réduction. C'est toujours sympa et ça fait toujours plaisir. Et donc plus on sera sur le groupe et plus de poids on aura pour négocier ces petits codes promo, voilà, pour nous. Et vous pouvez aussi vous offrir des petites attentions tout au long de l'année, hein, et profiter de ces réductions, c'est toujours sympa. Et donc le but également, c'est d'envoyer votre colis donc au moment de Noël à la personne avec qui vous aurez fait le swap tout au long de cette année. Donc pour la personne choisie, vous allez pouvoir choisir soit une amie, bon, c'est un peu trop facile à mon goût, mais si c'est la première année que vous faites un swap, que vous avez peur d'être déçu, que vous osez pas trop, que vous trouvez pas, bah, à la limite, vous pouvez prendre une copine à vous et faire le swap avec elle. Mais je trouve que c'est vraiment plus sympa de prendre une personne que vous connaissez pas. Bah, tout simplement parce que, bah, au fil de l'année, vous allez pouvoir la découvrir, découvrir son univers, enfin, discuter avec elle. Et je trouve ça vraiment plus sympa, surtout dans la période à laquelle on est en ce moment, de s'ouvrir aux autres et de découvrir un petit peu ce que les autres font et ce que les autres aiment aussi, et de chercher les produits que pourra aimer cette personne. Je trouve ça vraiment plus sympa que de choisir la facilité et finalement de choisir la copine que vous voyez tous les jours. Mais bon, ça après c'est vous qui voyez, c'est pas moi qui choisis les personnes avec qui vous allez faire votre swap. Et donc pour les personnes qui ne se connaissent pas, j'ai mis en place un questionnaire, donc beauté et un questionnaire lifestyle que vous allez remplir et renvoyer à la personne qui va vous faire les cadeaux pour qu'elle vous connaisse un peu plus si vous avez des allergies, des intolérances, s'il y a des produits que vous n'aimez pas du tout. Enfin, n'hésitez pas à le marquer, comme ça vous ne serez pas déçus. Non, mais voilà, je crois que je vous ai tout expliqué. Du coup, je vous dis à bientôt sur le groupe. Je vous remets le lien en barre d'infos. Pour nous rejoindre, n'hésitez pas à partager à vos amis parce que ça peut être sympa de faire ça en groupe, même si vous choisissez des personnes que vous connaissez pas, de faire ça avec vos amis, de chercher des idées ensemble. Je trouve ça vraiment cool. Et donc n'hésitez pas à partager le groupe, il est ouvert à tous. Et voilà, ben, je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous le 5 janvier pour découvrir les premiers thèmes du SOP. Bye bye!